Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter ma sélection Fête des Mères qu'on fêtera cette année le dimanche 7 juin. Je commence tout d'abord avec les incontournables, les objets nominatifs maman. Je commence avec le mug de Créa Byzantine, ma maman chérie que j'aime d'amour. Et ensuite, vous retrouvez, comme chaque année, les porte-clés maman modèle, donc ça c'est un nouveau modèle, et le maman adoré en petit nuage avec un arc-en-ciel à l'intérieur. Pour les mamans qui sont fans de thé, j'ai plusieurs objets. La boule à thé en forme de tulipe, qui est en silicone. Les bouteilles isothermes avec infuseur intégré, qui pour emporter son thé partout avec soi et qui va conserver le thé au chaud pendant 12 heures. Et j'ai également une version en verre, qui est isotherme également, avec infuseur intégré. Mais celle-ci permet de faire du thé, mais également de faire infuser des fruits dans de l'eau si votre maman aime bien les boissons détox. Je continue la sélection Fête des Mères avec les très jolis plateaux de la marque Mini Labo. Ce sont des plateaux en bois et ce que j'adore, c'est les motifs végétaux de Mini Labo qui sont reconnaissables entre tous. Pour les mamans qui ont l'habitude d'emporter leur déjeuner avec elles, je vous propose les lunchbox de la marque Mon Bento qui sont composés de deux étages. Pour séparer les différents aliments. Et le cadeau qui a toujours autant de succès, les gourdes ou les bouteilles isothermes de la marque 24 Bottles. Les bouteilles isothermes gardent le chaud pendant 12 heures ou le froid pendant 24 heures. Et ce qui est super, c'est leur format compact. Si vous souhaitez offrir un bijou à votre maman, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Premièrement, les boucles d'oreilles en oiseau de la marque Nash. Donc la marque Nash, c'est une marque qui a été créée par deux sœurs qui sont de Toulouse. Donc tout est fabriqué à Toulouse dans leur atelier. C'est de la porcelaine peinte à la main et la créole est en plaqué or. Deuxièmement, les broches de chez Macon et Lesquois qui sont des broches brodées à la main. Là, c'est une pièce incontournable de la marque, donc le nuage avec les gouttes de pluie. Ensuite, pour la fête des mères, le petit cœur rouge qui est un incontournable, toujours efficace. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi pour la fête des mères, c'est les broches en forme de fleurs. Donc là, je vous en montre deux que j'adore. Et je termine avec la petite plume aussi, qui est un incontournable très facile à porter et qui plaît toujours aux mamans. Dans cette gamme accessoires, les trousses de toilette et les petits miroirs de poche restent des cadeaux phares aussi pour la fête des mères. Ça, c'est un des derniers motifs que j'ai reçus et qui plaît beaucoup. Pour terminer cette sélection accessoires, je vous présente les sacs en palmier tressé qui sont tressés à la main avec un revers en cuir et une bandoulière en cuir. J'ai également ce modèle avec le petit ruban Liberty qu'on peut porter soit à la main ou soit à l'épaule. Je termine cette sélection Fête des Mères avec quelques idées déco. Je vous présente mes deux coups de cœur parmi les décorations murales éco-friendly de la marque Mio, les fleurs et les nichoirs à oiseaux. Voilà pour ma sélection spéciale Fête des Mères. Alors bien sûr, il y a plein d'autres idées cadeaux que vous pouvez retrouver à la boutique ou sur l'e-shop. Sur la boutique en ligne, vous pouvez choisir de vous faire livrer avec Colissimo ou Mondial Relais ou de venir récupérer votre commande directement à la boutique avec le système Click and Collect. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram.